Le self-defense a pour objectif de tout mettre en œuvre pour sauver sa vie en cas d'agression. Dans ce contexte, un séminaire en collaboration avec le Directive Reactive Controlling System World Headquarters a été organisé au Moving Gym à Trianon. D'ailleurs, une quinzaine de personnes de tout âge ont répondu à l'appel afin de bénéficier de ces techniques d'autodéfense. C'est bien d'apprendre différentes techniques. Donc moi, ce qui m'a fait, c'est plus Krav Maga israélien. Donc là, c'est venir apprendre une self-defense grecque avec un spécialiste de ce martial en fait. Pour l'instructeur international de self-defense, Jean-Bruno Laurette, l'un des buts de cette activité est de rappeler à tout un chacun sa part de responsabilité quant à leur sécurité. La self-defense, c'est pas un acte prémédité. La self-defense, c'est qu'il faut déjà un danger imminent qui apparaît, mon pénal le tueur qui me vient défendre. Selon le fondateur et maître instructeur du Directive Reactive Controlling System, ce séminaire aidera ces gens de mettre leurs connaissances acquises en avant pour se sortir d'une situation difficile ou tout autre type de violence. Ce séminaire a pour but d'ouvrir notre esprit afin d'acquérir les techniques nécessaires et de les mettre en pratique, et surtout de prendre conscience de notre vulnérabilité. Selon les responsables du Directive Reactive Controlling System, après Maurice, ce type d'activité se poursuivra dans d'autres régions du monde.